Comment vous êtes-vous ressenti comme un enfant juif? Est-ce que jamais vous êtes arrivé? J'étais très attaché à ma grand-mère maternelle, chez laquelle j'ai passé à peu près un an ou deux, enfin un temps assez long, après la Première Guerre mondiale. Et cette femme a eu de l'influence sur moi, et pendant un temps, je ne peux pas dire que j'étais croyant et pratiquant, mais j'étais sensible à sa manière d'aborder la vie, enfin de voir la vie. Et c'est probablement à ce moment où j'étais le plus proche du lion de la religion. Ça n'a pas joué de rôle après. Je peux pas dire que j'ai eu de vraies difficultés sur ce plan. Je fais partie des privilégiés qui, au fond, n'ont jamais eu à vraiment souffrir, au moins dans leur jeune temps, d'avoir été juif. C'est au quartier latin que ça s'est senti peut-être un peu plus. Là, il y avait évidemment les engueulades des années 30, oui. Et puis l'arrivée d'Hitler et des choses comme ça. Oui. Mais jusque-là, ça n'a pas joué le rôle intéressant pour moi. Mm-hmm. Mm-hmm.